En 2016, il y a eu 9 morts par jour, 65 blessés graves par jour. Ce sont des chiffres qui nous alertent et qui font qu'on doit être tous mobilisés à l'école, au collège, au lycée, pour faire en sorte que demain, il y ait beaucoup moins d'accidents. Ça commence à l'école où on apprend le code de la route, où on apprend les règles de piétons dans la rue. Ça continue au collège. Au collège où en particulier on est alerté sur le danger des addictions. La drogue, l'alcool, toutes les addictions sont négatives pour les comportements vis-à-vis des autres et bien évidemment pour les comportements sur la route. Et puis au lycée, ça continue. On travaille évidemment sur les règles de la vie démocratique, sur le respect des autres. Et ce respect d'autrui est évidemment très important pour la sécurité routière. Parce qu'en réalité, notre façon d'être en société eh bien, se reflète dans notre façon d'être sur la route. C'est pourquoi la sécurité routière, c'est important aussi, parce que c'est évidemment d'abord et avant tout éviter les blessés et les morts, mais c'est aussi finalement une civilité, une manière d'être en société. Et ceci, c'est justement ce que nous voulons faire à l'école. Nous voulons à l'école transmettre des valeurs qui sont ces valeurs de respect d'autrui. Alors réfléchissons à la sécurité routière, transmettons les bons messages et surtout soyons exemplaires dans notre vie courante, en tant que piéton, ou en tant que passager, ou en tant que conducteur.